Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer quel peut être le souci si vous avez un bruit bizarre sur votre moteur. Une espèce de bruit de roulement, un bruit bizarre. Je vais vous faire écouter d'ailleurs. En fait, déjà, on va écouter le bruit normal. Alors là, c'est le bruit normal, tout va bien, c'est pas trop bruyant. Donc tout va bien. Et là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais débrancher une phase. Ce qui fait que le moteur va quand même tourner, mais sur deux phases. Et écoutez bien le bruit. Le moteur force, il fait un bruit au démarrage qui est horrible. Pourquoi? Parce que il lui manque une phase. Si on enlève une autre phase, je pense que le moteur ne tourne plus. Il faut au moins deux phases. C'est ça. Donc du coup, voilà, si vous avez ce type de bruit, en fait, qu'est-ce qui a pu se passer? Bah, soit vous avez un connecteur qui s'est défait dans la trottinette, ce qui peut arriver. Normalement, ces connecteurs sont bloqués, mais ça peut arriver. Ou soit vous avez un des composants, du coup, qui est grillé, le composant qui active cette phase, quoi. Et du coup, il manque une phase et ce bruit-là intervient. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à checker votre contrôleur, voir ce qui se passe. Et en espérant que ça ne soit qu'un connecteur d'effet. Sinon, il faut tester vos MOSFET. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.